Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la audiencia número 18 del 178 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradecemos a las organizaciones solicitantes de esta audiencia, Bureau des Avocats Internationaux y el Institute for Justice et Democratie en Haití, por haber solicitado esta audiencia que lleva por título Acceso a la Justicia e Independencia Judicial en Haití. Agradecemos también a la representación del Estado por acudir a esta convocatoria de la Comisión Interamericana. La mecánica de esta audiencia será la siguiente. Las organizaciones solicitantes tendrán 20 minutos para hacer su presentación. A continuación, la representación del Estado contará con otros 20 minutos. La Comisión Interamericana tomará la palabra por otros 20 minutos y el tiempo restante lo dividiremos entre la sociedad civil y el Estado para una segunda ronda de intervenciones. Les ruego que al momento de hacer uso de la palabra identifiquen su nombre, se identifiquen con su nombre y la organización a la que pertenece. Me acompañan en esta audiencia mis colegas, la primera vicepresidenta Antonia Urrejola, y la segunda presidenta Flavia Piovesan, la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido y el equipo de la sección de monitoreo 1-3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo soy Joel Hernández, presidente de la CIDH. Y transmito las excusas del comisionado Gustavo Rallón, el relator para Haití, quien por razones de salud no nos puede acompañar en esta ocasión. Así que vamos a dar inicio. Existe interpretación, contamos con interpretación al inglés, francés y español. Pueden ustedes verlo aquí en el botón de interpretación. Así que, por favor, les ruego que tome la palabra hasta por 20 minutos a las organizaciones solicitantes. Un poco antes de agotar los 20 minutos, yo haré un breve anuncio para informar del avance del tiempo. Le paso la palabra a la sociedad civil. Commissioners, thank you very much. My name is Alexandra Filipova, and I'm a senior staff attorney with the Institute for Justice and Democracy in Haiti. Unfortunately, my colleagues in Haiti have been having some trouble joining this mission so far. In fact, I see they just joined now. So I'm hoping I can give the floor first to them, and then I can begin to speak if they are ready. Demaria, are you able to proceed? Oui, oui. Il n'y a pas de traduction, alors? OK. Bon. Honorable président, président de l'audience, honorable membre de la commission, mesdames et messieurs, les membres de l'agrégation de l'État haïtien, s'ils sont là, et chère assistance. Je suis Mario Joseph, responsable du Bureau des avocats internationaux. Je remercie la Commission d'avoir abordé la problématique de l'impunité et la dépendance du pouvoir judiciaire haïtien à un moment où les acquis démocratiques et les droits fondamentaux du peuple haïtien sont menacés par un pouvoir qui commence à montrer clairement sa volonté d'instaurer une dictature sanguinaire. En effet, la situation des droits humains en Haïti est caractérisée, entre autres, par une série de massacres contre les civils et des quartiers populaires et sur fond de viols collectifs,
d'incendies, de maisons et de déplacements forcés, d'assassinats spectaculaires et de répressions politiques sauvages. Puis, il y a l'insécurité généralisée qui sévit dans le pays, notamment des cas répétés ça et là d'enlèvements et de séquestrations avec des services corporels suivis de rançons. D'une part, Haïti fait face à ces graves violations de droits humains dans le contexte d'une crise politique aiguë. D'autre part, l'impunité est généralisée. Par conséquent, le système judiciaire est incapable de rendre justice aux victimes en raison de son dysfonctionnement paralysant, sa vassalisation par le pouvoir exécutif, ce qui constitue des violations graves de la Convention interaméricaine des droits humains. Dans la foulée, M. Jovenel Moïse, qui a failli à sa mission de doter le pays des élections législatives pour renouveler le personnel de la Chambre des députés et de 2/3 du Sénat, suivant les échéanciers constitutionnels, déclare le parlementaire caduc et se donne le plein pouvoir de diriger le pays par décret en dehors de la Constitution. L'ordre juridique du pays est donc aujourd'hui bouleversé par ces décrets pris à tout bout de champ. En témoigne le décret du 26 novembre 2020 qualifiant de terrorisme les citoyens qui font usage de barricades pour revendiquer leurs droits. Le gouvernement haïtien ne parvient pas à faire en sorte que les auteurs des crimes graves répondent de leurs actes et les très rares cas de poursuites judiciaires impliquant des proches du pouvoir ne sont jamais aboutis. Les magistrats désignés à instruire ces dossiers sont souvent des proches du pouvoir. On les appelait et souvent en Haïti les juges de l'équipe. Par contre, le pouvoir exécutif refuse de renouveler les mandats d'une minorité de juges qui sont restés attachés au principe de séparation du pouvoir garanti par la loi de la République. Mes collègues présenteront plus en détail les façons dont le pouvoir judiciaire est complice de cet échec. Mais je veux d'abord présenter l'étendue du problème, car les exemples sont innombrables. Mais je souhaite attirer l'attention de la Commission et sur 3 cas spécifiques d'impunité relatifs aux violations graves des droits humains qui sont à la fois flagrantes, représentatives et que la Commission connaît bien en raison de son engagement en Haïti. Le cas de Raboto, du 18 au 22 avril, la dictature militaire qui avait renversé de manière sanglante et avec l'aide étrangère le président démocratiquement élu Jean-Bertrand Aristide a massacré plusieurs civils du quartier populaire Raboto, de la commune des Gonaïves, un quartier populaire très engagé dans la lutte pour un retour à l'ordre constitutionnel soudainement interrompu. Plus de 20 ans après, le régime au pouvoir est en train de balayer tous les efforts qui ont été faits pour aboutir à la condamnation et au jugement de ces crimes dans le cadre du procès et communément appelé massacre de Raboto. Et le cas des tortionnaires Jean-Robert Gabriel et Emmanuel Constant peuvent illustrer bien cet état de fait. Malgré le fait que Jean-Robert Constant a été jugé et condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité dans le cadre du procès et de Raboto, il a été nommé par Jovenel Moïse au grade d'assistant chef d'état-major des soi-disant Forces armées d'Haïti, FADH. Une preuve
de plus que le régime en place encourage l'impunité tout en affaiblissant le système judiciaire. En ce qui se concerne Toto Constant, en dépit du fait que le pouvoir a été contraint de l'arrêter et sous des pressions diplomatiques, mais la procédure est actuellement au point mort et le gouvernement n'a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il poursuit et ne soucie pas les autres contumaces comme Jean-Robert Gabriel et Jodel Chamblain, etc. Nous parlons de jugements rendus par un tribunal haïtien dans le cadre d'une procédure approfondie. Il s'agit de crimes graves. Pourtant, il n'y a pas de justice. Cette absence de procédure judiciaire constitue une violation grave du droit des Haïtiens à la justice, ce qui est contraire aux obligations d'Haïti à l'égard de la Convention interaméricaine des droits humains. Ainsi, les auteurs du massacre de Raboto sont protégés par le gouvernement, ce qui laisse le champ libre à de nouvelles graves violations. En ce sens, Haïti a connu de très nombreux massacres ces 10 dernières années. Le plus terrible entre eux est celui qui a été perpétré à La Saline, quartier populaire de Port-au-Prince. En 2018, dans la nuit du 13 novembre, le quartier populaire La Saline a connu les horreurs du régime en place. Dans toute sa rigueur, environ 71 civils ont été massacrés. Des femmes et filles ont été victimes de viols collectifs et d'autres ont été torturées ou disparues. Des maisons ont été incendiées, ce qui a occasionné des déplacements forcés dans des centaines de familles qui vivaient déjà auparavant dans des conditions infrahumaines. Le massacre de La Saline en 2018 et les auteurs et les autres attaques contre les civils dans d'autres quartiers populaires démontrent que cette impunité encourage de nouvelles violations des droits de l'homme. Notons que cette similitude entre le massacre de Raboto et celui de La Saline, le quartier populaire de La Saline, est également connu pour sa participation active dans la lutte contre le pouvoir en place. Et en plus du massacre de La Saline, il y a d'autres massacres perpétrés à Pont-Rouge, à Bel Air, à Soleil, à Tokyo, etc. Et tous ces quartiers qui sont historiquement associés à des opinions politiques différentes de celles du régime actuellement. Et le massacre de La Saline rappelle les heures sombres du régime du valériste qui exécutait ses adversaires politiques en toute impunité. Et parlant des Duvaliers, rappelons qu'en 2011, la Commission interaméricaine avait demandé dans une note publique aux dirigeants haïtiens de considérer les crimes commis sur le régime des Duvaliers comme des crimes contre l'humanité. En effet, le 26 février 2014, la Cour d'appel, la troisième section de la Cour d'appel de Port-au-Prince, a rendu un arrêt avant faire droit. Par la suite, la Cour infirme l'ordonnance et reconnaît la notion de crime contre l'humanité et reconnaît que le crime contre l'humanité fait partie de la coutume internationale et la coutume internationale fait partie du droit interne haïtien. La Cour a déclaré par conséquent que les actes reprochés au régime criminel des Duvaliers constituent des crimes contre l'humanité et sont imprescriptibles de par leur caractère continu. Et elle a désigné le juge Durin Duret pour faire un supplément de formation dans les délais légaux. Et jusqu'à maintenant, rien n'a été fait pour arriver à un arrêt définitif. Et par conséquent, les criminels sont dans les rues et en toute impunité, et les victimes restent encore
sur leur soif de justice. Mais fort heureusement, malgré cette situation d'impunité et de répression politique sauvage et la politique de terreur du pouvoir en place, eh bien le peuple haïtien refuse de garder le silence devant toutes ces injustices. Voilà pourquoi aujourd'hui même, à l'occasion de la Journée mondiale des droits humains, il gagne les rues avec comme slogan « Marchons pour la vie ». Je salue l'engagement préalable de la Commission sur ces cas de violation des droits humains, y compris l'octroi des mesures de précaution en faveur des victimes. Cependant, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun progrès dans les poursuites et les victimes se trouvent dans des situations extrêmement précaires et d'autant plus que les actes de terrorisme d'État sont exacerbés. À cet effet, mes collègues et moi suggérions que la Commission mette en place sur Haïti, sur le chapitre 4.b, dans son rapport annuel, afin d'effectuer une visite dans le pays. En guise de conclusion, je cède la place à mes collègues qui vont vous faire une description de certaines faiblesses et spécifiques du pouvoir judiciaire qui sont aussi responsables de l'impunité en Haïti. Merci. Je suis très heureux de participer à cette nouvelle session de la CIDH. Je suis Lionel Constant-Bourgoin, magistrat de formation, ancien commissaire du gouvernement, ancien directeur de l'école de la magistrature, de l'inspection judiciaire et de l'unité de lutte contre la corruption. Je vais intervenir précisément aujourd'hui sur le rapport entre l'impunité généralisée et le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire en Haïti. L'examen de la situation montre que l'impunité en Haïti ne relève pas seulement d'une impunité de droit, mais aussi et surtout d'une impunité de fait, dont l'une des causes est l'ineffectivité de l'indépendance du pouvoir judiciaire. En dépit de la consécration constitutionnelle du principe de la séparation des pouvoirs en Haïti, la soumission traditionnelle du pouvoir judiciaire aux deux autres est manifestement plus insupportable aujourd'hui. De fait, l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire sont nettement bridés par le pouvoir politique et l'impunité en est une conséquence. Malgré l'affirmation du principe de l'inamovibilité des juges, l'emprise du pouvoir politique sur la justice se manifeste surtout au moment du renouvellement de leur mandat. Il faut d'abord noter qu'un nombre considérable de mandats à renouveler ou de nominations à faire est resté sans suite au niveau de l'exécutif. Pourtant, celui-ci cherche à imposer des nominations irrégulières sans l'avis favorable préalable du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ces agissements réitérés des autorités exécutives manifestent de leur volonté de contrôler l'administration de la justice par la nomination uniquement de juges qui se tiennent à leur disposition, appelés juges de l'équipe. Aussi, le constat de la défaillance du système pénal dans la poursuite et le jugement des suspects protégés politiquement, impliqués dans des massacres, des kidnappings, d'actes de corruption, est la conséquence directe de la captation de l'appareil juridictionnel par l'autorité exécutive. Ce qui est le plus préoccupant dans cette subordination au pouvoir exécutif, c'est le fait de la complaisance de certains magistrats ou de la réticence d'autres préoccupés uniquement par leur avancement. Cette mainmise du pouvoir exécutif sur l'administration de la justice et de ses différents mécanismes de contrôle favorise des blocages de procédures, des carences professionnelles, matérielles, financières et logistiques, ce qui explique notamment le mauvais fonctionnement de la chaîne pénale et la corruption qui facilite l'oubli ou la perte de dossiers ou de pièces à conviction, la difficulté à réaliser des arrestations, l'absence ou la mauvaise qualité des enquêtes et des procès ainsi que de la récidive. Et au bout du compte, l'impunité généralisée s'apparente à un déni de justice. À mon humble avis, il serait entre autres nécessaire de renforcer les pouvoirs du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
en matière d'administration de la justice, de renforcer le processus de certification de tous les magistrats ainsi que les pouvoirs de l'inspection judiciaire, d'abolir le droit de l'exécutif dans le recrutement et le cheminement des personnels du pouvoir judiciaire. Si la lutte contre l'humanité, contre l'impunité reste une responsabilité de l'État d'Haïti, le cas échéant, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, dont l'impact de ses actions au profit de la justice haïtienne reste encore attendu, pourrait soutenir notamment l'accélération du processus de certification des magistrats, le renforcement technique et scientifique de la police judiciaire en vue d'assurer l'efficacité de notre justice pénale. Mais, Monsieur le Président, mesdames et messieurs participants à cette session, aujourd'hui, au-delà du phénomène de l'impunité, ce qui est le plus préoccupant actuellement est la mise en péril de l'actuel, par l'actuel gouvernement du projet de l'état de droit démocratique en Haïti. Je vous remercie de votre attention. Deux minutes, por favor. Two minutes, please. Honorable Président et distingué membre de la CIDH, je suis Sounel Jean-François, directeur de l'instruction judiciaire du CSPJ. Mon intervention porte sur le dysfonctionnement et la corruption du système judiciaire haïtien. Dans ce cadre, je m'attacherai à décrire brièvement les difficultés de fonctionnement auxquelles fait face la justice haïtienne et la capture liée à la corruption dont elle est l'objet et qui la limite dans son champ. Il est une vérité de la police que l'une des caractéristiques reconnues au système judiciaire haïtien est son indigence. Il a toujours été traité en parent pauvre dans la répartition des crédits budgétaires. Le budget à lui attribué ne lui permet pas de couvrir ses frais de fonctionnement, d'assurer l'entretien des tribunaux et cours de la République et de pouvoir l'inspection judiciaire des moyens humains et matériels lui permettant d'accompagner le CSPJ dans sa mission consistant à épurer le système judiciaire. Ce budget ne lui permet pas non plus d'offrir un salaire décent et un traitement adéquat aux juges de manière à les mettre à l'abri des sollicitations de la corruption et à éviter les grèves à répétition auxquelles ils sont souvent recours pour réclamer de meilleurs traitements et d'assurer la formation continue et spécialisée de son personnel mal préparé. À ces problèmes de capacité matérielle dus à son budget limité s'ajoute l'insécurité qui affecte sérieusement le fonctionnement des tribunaux. La prolifération des gangs armés à travers le pays paralyse le système judiciaire, surtout dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Depuis environ 2 ans, le tribunal de première instance de la capitale, la cour d'appel et les parquets y attachés n'ont pas pu normalement fonctionner à cause d'un puissant gang armé, celui de Village de Dieu, qui opère et sème la terreur dans les parailles, ce qui constitue une violation du droit à la justice des victimes et du droit des détenus à être jugés dans un délai raisonnable. Après sa difficulté de fonctionnement dont je viens de faire état, je vais mettre en relief ce système de deux poids et deux mesures qu'incarne la justice haïtienne. La justice haïtienne est loin d'être une femme aux yeux bandés. Elle est prise en otage non seulement par les politiques, mais encore par les tenants du pouvoir économique. C'est la justice des puissants. À titre d'exemple, Octanol Derissa a été assassiné le 18 avril 2012 à Fort-Parisien, près de la frontière haïtano-dominicaine. Le puissant homme d'affaires Calix Valentin, auteur présumé de ce crime, court jusqu'à présent les rues sans être inquiété, sans être sanctionné par la justice. À part cela, il y a la corruption qui constitue un facteur d'impunité en Haïti. Le système judiciaire, par les pratiques de pot de vin et de concussion qu'il entretient, est l'une des institutions dont l'intégrité fait défaut. En quoi un rapport d'enquête sur la gouvernance, publié en janvier 2007 par le Bureau de recherche en informatique et en développement économique et social, BRIDE. En guise de conclusion, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames les membres, vous admettrez avec moi qu'on ne peut rien attendre de système judiciaire si indigent, soumis et indigne. Il est indispensable de le renforcer pour qu'il soit à même de remplir efficacement sa mission. L'amendement de la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour conférer une réelle autonomie administrative et financière à cette entité, laquelle pourrait élaborer et mettre en œuvre son propre budget en fonction des besoins réels de la magistrature, est de toute nécessité. Cet amendement souhaitait tiendrait compte de notre côté du renforcement de l'inspection judiciaire, de sorte que cette structure puisse être à même d'accompagner efficacement le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans ses missions de contrôle et d'assainissement de la magistrature. Nous espérons que les recommandations de la CIDH quant au renforcement de la justice haïtienne seront orientées dans ce sens. Merci. Muchas gracias. Muchas gracias a las organizaciones solicitantes por su presentación. Vamos a dar paso ahora a la representación del Estado para que
formulen sus comentarios por 20 minutos. Le damos la palabra al embajador Edmond Boschit, a quien saludamos cordialmente desde la Comisión Interamericana. Su Excelencia, tiene la palabra. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et c'est pour moi aujourd'hui un plaisir de prendre la parole au nom du gouvernement haïtien, comme je l'avais fait il y a de cela 4 ans. Et je suis encore revenu aujourd'hui comme représentant permanent d'Haïti auprès de l'OEA. Et je dois vous dire que ce matin, j'ai présenté mes lettres au secrétaire général qui m'habilite officiellement à représenter l'État haïtien auprès de l'Organisation des États américains et de ses organes. Je tiens aussi à présenter mes vives salutations à Maître Mario Joseph, quelqu'un que je connais depuis des années, un véritable militant des droits humains, et accompagné de Maître Bourgoin, que j'ai eu aussi le privilège de rencontrer comme ancien directeur général de l'ULCC et commissaire du gouvernement, et l'autre compatriote qui est à côté de Maître Joseph, je ne me rappelle pas son nom. Je tiens aussi à présenter mes salutations aux différents commissaires et de la Commission interaméricaine des droits humains. Et mes salutations vont aussi aux membres de la société civile ici présents. Bon, écoutez, Monsieur le Président et chers amis, je n'aurai pas vraiment à utiliser mes 20 minutes. Tout simplement, j'aurai à apporter quelques clarifications sur les différentes interventions et que je viens d'écouter. Mais je dirais notamment sur l'intervention particulière de mon ami, mon compatriote Mario Joseph. Je crois que quand on parle de dysfonctionnement, ou du moins d'un système judiciaire qui n'est pas indépendant, en Haïti, ça a été toujours une accusation depuis belle lurette. Chaque gouvernement, chaque administration, on dit toujours que la justice n'est pas indépendante. Mais il y a quand même un constat. Nous devons arriver à un moment pour dire, mais qui a la responsabilité de rendre cette justice indépendante? Ça ne doit pas seulement la tâche d'un gouvernement, ça doit être la tâche de tous les secteurs, des usagers de la justice, notamment les organisations des droits humains. Autant que je me rappelle, je ne sais pas si je me trompe, mais je sais que les organisations des droits humains sont aussi représentées à l'intérieur du CSPJ. Et les autres CSPJ, comme vous le savez, le Conseil supérieur de la police et de la justice, a des représentants des organisations des droits humains. C'est-à-dire qu'ils participent dans la gestion même de la justice. Et quelque part, nous avons tous une certaine responsabilité de ce dysfonctionnement, quoi. Et j'ai entendu, Maître Joseph a parlé que le président de la République a failli à sa responsabilité d'organiser les élections. Mais je dirais que le Parlement a eu cette responsabilité de voter la loi électorale. Le Parlement est parti sans le faire. Le Parlement n'a pas voté cette loi électorale avant son départ. Et on ne peut pas organiser des élections sans une loi électorale. Et même dans le budget 2018-2019, il y avait prévu plus de 50 millions de dollars pour les élections. Le même budget n'a pas été voté par ce Parlement. Et quand j'ai entendu mon compatriote Mario Joseph disant que le président a déclaré caduque le Parlement, c'est faux. Le président n'a jamais déclaré caduque le Parlement. Le Parlement est arrivé en fin de mandat. À la fin du mandat du Parlement, le Parlement n'existe plus parce que le mandat est arrivé à terme. Dans ce cas-là, si le mandat du Parlement est arrivé à terme, eh bien, la suite logique, c'est le départ de ces parlementaires.
c'est pas le président qui a déclaré caduc ce Parlement. C'est pas ça. Il faut dire la vérité là où elle est. Maintenant, quand on parle de caducité de Parlement, je pense que c'est un mot quand même exagéré. Il n'y a jamais eu de caducité. Il y a tout simplement fin de mandat d'une législature. Maintenant, quand on parle de décret, et le décret est très souvent, je veux dire quelque chose aujourd'hui qui probablement d'autres personnes pourront le corroborer, mais j'ai l'impression que quand nous parlons de décret, nous avons tous peur de décret. Et pourtant, ici aux États-Unis, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'executive order. Quand le Congrès est en session, en recess, le président américain peut utiliser l'executive order pour faire quelque chose. Mais dans le cas d'Haïti, le Parlement qui est censé le pouvoir législatif pour légiférer, le Parlement n'existe pas. Va-t-on attendre la tenue des élections pour continuer la gestion des choses de l'État? Je ne pense pas. Maître Mario, comme un grand avocat que je connais en Haïti, il peut me dire la batterie juridique même d'Haïti consiste en beaucoup, beaucoup, beaucoup de décrets qui ont été pris par des gouvernements provisoires. Ce sont ces mêmes décrets que nous utilisons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le président actuel, il a cette responsabilité d'assurer la continuité de l'État, la bonne marche des institutions. Il faut qu'il y ait un outil légal. Et l'outil, ce sont les décrets. Et je sais qu'il y a encore un autre avantage, même pour le système judiciaire, par exemple. Vous savez que les décrets, une fois qu'on aura un Parlement, le Parlement aura ce privilège, ce pouvoir de statuer sur les décrets. Alors, c'est juste pour vous dire que cette responsabilité qui incombe au chef de l'État de faire fonctionner les institutions de l'État, on ne peut pas attendre la tenue des élections pour qu'il y ait un Parlement et que ce Parlement pourra légiférer sur les questions quotidiennes, la gestion quotidienne des choses de l'État. Pour les auteurs et des crimes dont on a fait mention, moi, je sais certainement, pertinemment, que le système judiciaire haïtien est faible. Mais je crois dans le système judiciaire de mon pays. Certes, il y a beaucoup de faiblesses, mais on ne peut pas résoudre ces problèmes, on ne peut pas redresser, rendre ces institutions judiciaires plus fortes seulement par, ou du moins, ce n'est pas la responsabilité unique de l'État de le faire. C'est la responsabilité de tous les secteurs de la société civile et tous les citoyens qui font partie de ce système judiciaire. L'État, à lui seul, n'a pas cette responsabilité d'éliminer ses faiblesses et de rendre fort ses institutions. Nous avons tous cette responsabilité. Certes, il y a eu des crimes qui ont été commis, et ce ne sont pas des crimes qui datent d'aujourd'hui, parce que parfois on a tendance à tout donner à l'administration actuelle, et chaque fois il y a une administration au pouvoir, c'est la tendance de donner à l'administration au pouvoir la responsabilité de tout ce qui a été commis dans le passé. Mais je dois vous assurer qu'il y a cette volonté politique de renforcer la justice, de leur donner tous les moyens nécessaires pour faire leur travail. Mais malheureusement, et nous devons aussi reconnaître le manque de ressources de l'État. Et je sais que le dernier budget qui a été publié, il y a eu une certaine augmentation pour le pouvoir judiciaire. Et certes, ce n'est pas une augmentation qu'on aurait bien aimé avoir, mais on souhaite que venu en ce jour où le système judiciaire aura beaucoup plus de moyens à sa disponibilité pour que notamment les enquêtes et les procédures judiciaires soient menées de manière équitable, de manière indépendante et aussi qui pourrait et renforcer la crédibilité même du système judiciaire. Je crois, et Maître Mario a aussi parlé de la Saline, autant que je peux vous dire, les informations que j'ai en ma possession, c'est qu'il y a eu un processus judiciaire qui est en cours. Il y a eu des arrestations, et il y a des gens qui ont été présentés devant des juges d'instruction, un juge d'instruction a été désigné en ce sens,
il a entendu pas mal de suspects et des victimes ont été témoignées et le juge a entendu pas mal de ces victimes. C'est-à-dire il y a quand même une procédure judiciaire en cours. Nous devons laisser cette procédure et nous devons laisser et marcher cette procédure. Nous ne voulons pas, en tant qu'exécutif, nous introduire dans cette procédure judiciaire. Souvent, vous parlez d'un système judiciaire qui n'est pas indépendant, mais encore davantage, l'exécutif doit éviter de ne pas s'immiscer dans ces procédures pour qu'on ne dise pas « voilà ce qu'on dit ». Et voilà ce qu'on disait souvent, que la justice n'est pas indépendante. Il faut laisser à la justice, au pouvoir judiciaire, de faire son travail et de continuer l'enquête et pour que la justice soit rendue à ses victimes. Parce que les victimes de la Saline, comme on veut souvent les décrire comme partisans d'un parti X ou partisans d'un parti Y, non. Le gouvernement... Donc, pour nous autres, nous les voyons comme des citoyens haïtiens qui ont droit à une justice. Ils ont été victimes d'actes barbares. Ils ont perdu leurs biens. Et beaucoup ont perdu même leur vie. Et alors, comme citoyens haïtiens, ils ont droit à la justice. Mais dans la loupe du gouvernement haïtien, on ne les voit pas, on ne les considère pas comme... des éléments ou des membres ou des sympathisants d'un parti X ou d'un parti Y. Non, on les voit comme des citoyens haïtiens qui ont été victimes à qui justice doit être rendue. Alors, je pense que pour le moment, et c'est cette réaction que je pourrais avoir et sur la présentation qui a été faite par mes trois compatriotes de l'autre côté. Et je suis certain qu'on pourra avoir cette discussion et autant que faire se peut, et je vais toujours intervenir pour apporter certaines clarifications. Mais certes, nous savons très bien qu'on ne pourra certainement pas arriver à une entente sur la question aussi épineuse. Il y aura toujours des différences. Et l'essentiel, c'est que je félicite ces trois messieurs, ces trois avocats qui travaillent pour renforcer le système judiciaire haïtien. Ils font leur travail, ils font tout ce qu'ils doivent faire pour renforcer ce système. Et moi aussi, en tant que citoyen haïtien, je les ai écoutés. Je pense que nous avons pas mal de points communs. C'est de voir un système judiciaire totalement indépendant, renforcé et au service des justiciables. C'est ce que nous voulons tous. Même quand nous avons des différences. Et nous voulons avoir un système judiciaire indépendant et renforcé. Monsieur le Président, pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci, embajador. Vamos a dar inicio al diálogo con la comisión. Invito a la comisionada Antonia Urrejola a tomar la palabra. Gracias, presidente. Yo, en realidad, un par de comentarios, creo que la comisionada Piovesan, como ex relatora de Haití, tiene más preguntas específicas que hacer, pero quería simplemente, en calidad de relatora y memoria de verdad y justicia, hacer algunos comentarios, porque al escuchar a la representación de la sociedad civil, igual me impacta la descripción que ellos hacen, ¿cierto?, sobre los problemas de impunidad generalizada, la falta de protección judicial efectiva, la falta de bioproceso, la falta de independencia judicial, bueno, y todo el tema de impunidad respecto a las graves violaciones a los derechos humanos. Y la Comisión Interamericana tiene un informe del año 2005 que se llama precisamente Haití, justicia frustrada o Estado de Derecho. Y trata precisamente sobre estos mismos temas. Entonces, 15 años después, de alguna manera... bien frustrante escuchar relatos similares. Claramente estamos hablando de temas estructurales que van mucho más allá del gobierno de turno. Me imagino que la comisionada Piovesan, como ex relatora, se referirá también
a los hallazgos de la visita de trabajo que se realizó el año pasado, que yo recuerdo que también estos fueron uno de los temas, ¿cierto?, que aparecieron en esa visita. Por lo tanto, más que nada, mi reflexión es cómo poder colaborar para enfrentar un tema que claramente se alarga hace demasiados años y donde claramente hay impunidad, y eso es un hecho objetivo, y ya existe demasiada documentación al respecto, y mi pregunta es cómo ven las organizaciones de la sociedad civil, la representación del Estado, de cómo se puede enfrentar este tema de una vez por todas, porque lamentablemente, sobre todo, las víctimas, ¿cierto?, de la dictadura de Duvalier, ya están los familiares, se van muriendo y continúa la impunidad, una impunidad estructural. Eso es más bien porque me llamó mucho la atención el título del informe de la Comisión del año 2005, ¿cierto?, que es Justicia Frustrada o Estado de Derecho, es decir, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Y luego siempre tengo una sola pregunta muy, muy puntual respecto a la masacre de La Salín, que es del 2018, en la cual la CIDH se pronunció en su momento y ha manifestado también a través del informe anual su preocupación sobre la impunidad, sobre la falta de investigación y sanción a los responsables por la masacre. Pero también aquí la representación de la sociedad civil señaló que la masacre no solo, ¿cierto?, fue una masacre, sino también involucró el desalojo forzado de muchas familias. Quisiera saber qué pasó con esa gente también, porque no solo debe haber justicia respecto de quienes fueron asesinados y sus familiares, ¿cierto?, sino que también quienes fueron desalojados, qué pasó con ellos, si ha habido seguimiento respecto a las personas que fueron desalojadas, si respecto de ellos también se ha hecho un seguimiento, no solo si las organizaciones de la sociedad civil saben qué pasó, sino si también el Estado ha hecho un seguimiento respecto de esa situación, y si esas personas que han sido desalojadas forzosamente y me imagino violentamente, también han tenido alguna reparación o justicia. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, comisionada. Le paso la palabra a la comisionada Pío Besa. Muchas gracias, presidente. Yo empiezo saludando de forma muy cordial y muy afectuosa la sociedad civil, las organizaciones y la representación del Estado. También saludando el embajador Edmond por ser ahora el embajador de Haití ante la OEA. La comisión cada vez más está presente en Haití está a comprender mejor la realidad de Haití. La última sesión, periodo de sesiones presencial, fue justamente Haití. Estuvimos el pleno de la comisión en Haití en marzo. También tuvimos una excelente tarde con la sociedad civil, justamente escuchando denuncias. Y también tuvimos reuniones con las autoridades. Tuve el honor de diciembre del año pasado con la comisionada Margaret de estar en la visita a trabajo a Haití, justamente en virtud de las violaciones de derechos humanos decorrente de la protesta social de noviembre de 2019. Entonces, toda la gratitud a este país que nos recibió muy, muy bien, de forma muy calurosa. Yo tengo dos reflexiones, dos preocupaciones. La primera, muy alineada con la preocupación de mi colega, la comisionada Antonio. Tuvimos el masacre de La Saline en noviembre de 2018. O que nos llegó como información a la comisión, la denuncia de 71 personas asesinadas, 11 mujeres víctimas de violencia sexual y 150 casas destruidas, ¿no? Noviembre de 2019, 24 personas fallecidas en el masacre de Bel Air. Entonces, la primera pregunta sería justamente si es posible obtener más información actualizada sobre las investigaciones, la responsabilización de los actores involucrados en las masacres y además reparación a las víctimas.
Ou seja, minha primeira preocupação tem a ver com o combate à impunidade, porque, além da violência, não há como aceitar a violência institucional quando há o silêncio e, justamente, quando não há a devida reparação às vítimas de violação de direitos humanos. Minha segunda preocupação tem a ver com o tema da independência judicial. A comissão, incluso, adotou um informe sobre este tema, sobre acesso à justiça, estándares interamericanos, e o sistema interamericano, a ordem pública interamericana, apresenta estándares muito claros sobre a independência judicial e critérios como a ausência de ingerência externa, como uma adequada forma de nomeamento para a justiça. Ou seja, temos na região estándares interamericanos justamente para o fortalecimento da independência judicial, garantizando, em casos de violação de direitos humanos, o direito a remédios jurídicos efetivos, com base no artigo 8 e 25 da Convenção Americana. Então, me gostaria de compreender melhor também a situação atual de poder judicial do sistema de justiça em Haiti. Eu escutei com muita preocupação o tema pressupostário, porque, em minha avaliação, não, para garantizar a independência judicial, há garantias institucionais, mas também funcionais, como a inamovibilidade, a independência e garantias institucionais, por exemplo, os recursos adequados. E me pareceu também muito construtiva a observação do embaixador quando no afirma a necessidade de um diálogo, de uma participação social, mas há que impulsar. Não? E minha pergunta é: o que temos hoje em campo de sistema de justiça? Compreender melhor, com mais detalhamento, e quais são as propostas para o fortalecimento do sistema de justiça. A independência judicial é clave para a democracia e para o Estado de Direito. Muitas graças. Graças, comissionado. Senhor presidente, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, se você me permite, je dois me déplacer rapidement pour revenir parce que j'ai un Zoom conference call avec un parlementaire. Je dois me connecter à 3 heures et je reviens immédiatement. Mais il y a 2 autres fonctionnaires de la mission qui sont là et je souhaite revenir à temps pour probablement continuer la conversation avec mes compatriotes depuis l'Haïti. Je vous présente mes excuses. Je reviens. Bien, le ruego que sus compatriotas, los funcionarios de su misión se queden conectados. Hola. Le pregunto a la secretaria ejecutiva, María Claudia Pulido, si desea tomar la palabra. Sí, gracias, presidente. Solamente para 2 aspectos muy puntuales. Uno de ellos era indicar que desde el año pasado se venía conversando sobre la posibilidad de una mesa de cooperación técnica y algunos de los aspectos que se querían incorporar dentro de esa mesa justamente era el tema del acceso a la justicia, la independencia judicial, el fortalecimiento del sistema judicial y pensamos que sería muy importante poder tener ese intercambio aquí entre la sociedad civil y los representantes del Estado para estas ideas específicas de cómo podemos incorporar elementos concretos a esa mesa. Y por lo demás, informar que seguimos avanzando en el trabajo del informe de país, que esperamos, como la comisión lo planificó para comienzos del 2021, poder obviamente utilizar toda la información que nos están entregando en este momento para que el equipo técnico pueda analizarlo y estudiarlo. Gracias, presidente. Gracias, secretaria ejecutiva interina. Bueno, por mi parte, yo quiero unirme a las expresiones de mis colegas sobre nuestra preocupación por el estado que guarda el acceso a la justicia en Haití.
ya la secretaria ejecutiva interina adelantaba el informe país que la comisión está en curso de elaborar después de la visita de trabajo que realizó la comisionada, las comisionadas Flavia Pio Bezán y Margaret May McCauley en diciembre del año pasado. Este informe nos va a permitir presentar tanto a las autoridades del Estado como a la sociedad civil un diagnóstico de la situación de derechos humanos con los hallazgos realizados por la comisión en la visita y en otros instrumentos de monitoreo. Pero más importante, habrá de contener ahí recomendaciones. Anticipo que una recomendación fundamental tiene que ser el tema de justicia. Y en tema de justicia habrá que verlo en las tres dimensiones que han sido presentadas por las organizaciones solicitantes y que mis colegas han puesto sobre la mesa. Me parece que esos son los temas cruciales. Por una parte, el acceso a la justicia con pleno respeto a las garantías judiciales. Segundo, la reparación a las víctimas. Y aquí tendremos que ver, además de los casos concretos de reparaciones como el de la masacre de la Salín, también examinar cuáles son los instrumentos con los que cuenta el Estado para la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y un último tema que está muy conectado con el mandato que tengo en la Comisión como relator para personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, tiene que ver con el tema de la independencia judicial. Ya lo dijeron mis colegas, para que la justicia sea efectiva, debe de pasar primeramente por una garantía de la independencia judicial, como un prerequisito de todo Estado democrático. Sin independencia judicial no puede haber procesos satisfactorios que lleven a la sanción de violaciones de derechos humanos, que permitan la reparación de las víctimas y que, sobre todo, nos den las garantías mínimas de no repetición. Aquí escuchamos del embajador Bushit el compromiso que expresa del Estado haitiano de atender estos retos. Apreciamos siempre que exista un reconocimiento a los desafíos en materia de derechos humanos que tiene un país. Es un buen punto de partida, pero me parece que tenemos que complementar esos reconocimientos con acciones concretas. Y aquí en Haití, hay que decirlo, existe un déficit. Todavía nosotros no hemos podido ver resultados concretos para avanzar en un sistema fortalecido de justicia para haitianas y haitianos. Ya mi colega, la comisionada Antonia Urrejola, se refería a una situación que la comisión observó desde el 2005. Pero una y otra vez volvemos a escuchar esta frustración de defensoras, defensores de derechos humanos, de la sociedad civil haitiana, en donde no ve que exista un avance, una mejora, un cambio sustantivo, y que entonces pueda sentir que el compromiso por acceso a la justicia se está cumpliendo. Es la mesa de trabajo a la que alude la secretaria ejecutiva interina es una muy buena oportunidad. Una muy buena oportunidad para acercar a la Comisión Interamericana y poder hacer acciones concretas para el fortalecimiento del sistema de justicia en Haití. Aquí también tengo que decir que la Comisión Interamericana debe hacer más por Haití. Este reconocimiento lo hicimos cuando sesionamos en marzo de este año en Haití, nuestro 175 periodo de sesiones. El último que celebramos de manera presencial, nos despedimos los colegas sin saber que venía una pandemia, pero nos despedimos además con imágenes muy emotivas del contacto cercano que tuvimos con la sociedad civil haitiana, que acudió de manera numerosa a nuestras audiencias. Y acudieron eso, a apelar a la comisión, a exigir más acciones de la Comisión para Haití. También hay de nuestra parte un déficit que tenemos que abordar. Pero esto solamente lo podemos hacer si hay voluntad
del Estado para acercarnos a través de una mesa de trabajo. Yo estoy seguro que la hay, porque también en esa oportunidad tuvimos numerosas reuniones con autoridades del Estado y también ahí podemos corroborar primero el reconocimiento a los problemas, pero también la voluntad política de avanzar. Quiero pensar que tenemos que hacer más para juntar a todas las partes involucradas y cuenten con el apoyo de la Comisión para ello. Me queda también claro, no quiero ser ingenuo, no es un trabajo fácil, no es un trabajo que se construye de un día para otro, pero no están solos. La cooperación internacional ha estado pendiente de todos los esfuerzos que han hecho en Haití para la consolidación de la democracia, la cual debe de tener un sistema de justicia fuerte, sólido, creíble y sobre todo independiente. Es lo que yo quisiera expresar en esta oportunidad, agradecer a las organizaciones solicitantes por la confianza depositada en la comisión que nos obliga a hacer más por Haití y a ser mejores por Haití. Paso la palabra ahora a las organizaciones solicitantes por una intervención de 10 minutos y luego una segunda ronda para el Estado por otros 10 minutos. Por favor, señores solicitantes. Alexandra, tu interviens et après nous. D'accord, Alexandra? Sure, I'm happy to do that. Thank you, Met Mario. And good afternoon again, commissioners. Thank you very much for your time on this important subject. In response to some of the views shared today, I want to defer most to my colleagues in Haiti, but I do just first want to say that it's not a question of blame for the situation, which, as you mentioned, is longstanding, and the commission has already issued a report that dates back to 2005, and indeed the problem predates it long before. But it's a question of responsibility, and the government of Haiti has a responsibility under the American Convention on Human Rights to vindicate and ensure the fundamental rights of Haitians, including the right to a judicial system that functions on their behalf, and including accountability and justice for serious human rights violations. And it has not done that, and it is not doing that. And as my colleagues have demonstrated, this is not an academic question, but one that is powerfully felt by the people of Haiti, and one that frankly, as is shown by impunity from the La Saline massacre, really leading into subsequent massacres with some of the same actors and the same motivations, it really shows ways in which impunity feeds violence and emboldens perpetrators and leaves victims without recourse and without trust for their government. And that's something that really must end. I really urge you to watch some of the videos from victims of the Rabateau massacre, which we share in our written submissions, because they show victims powerfully connected still to the pain of the violence that they experience and really looking to their government for recourse and for vindicating their rights and for prosecuting the crimes committed against them. And this the government is not doing. I recognize that there are limitations of resources and that many changes cannot happen overnight, but there are concrete steps that the government can undertake, as my colleagues powerfully shared in their initial interventions. And at minimum, certainly the government can make sure that it is not placing into positions of public trust individuals who were convicted in absentia for massacres like the Rabateau massacre. As Mario mentioned, Jean-Robert Gabriel is currently in a top position in the military, and he has an in absentia conviction against them. This is something the government must address, and this is something that is fully within its ability to do. I yield the time to my colleagues. Thank you. Merci. Je vois bien que Madame Filipova, c'est comme si elle était en Haïti. Elle voit qu'il n'y a pas de progression au niveau de l'indépendance du pouvoir judiciaire en Haïti, même quand c'est consacré par la Constitution. Et ce gouvernement, il me semble prendre un plaisir à mettre en péril l'état de droit démocratique en Haïti. Et par rapport au pouvoir judiciaire, la soumission est presque totale. C'est devenu inacceptable parce que les juges savent
que le pouvoir exécutif est maître de leur destin et de leur avenir. Donc, ils se complaisent ou bien ils se montrent très réticents. Donc, ils ne peuvent pas agir en toute indépendance. Et c'est là la réalité de la situation haïtienne. Moi-même, j'ai été directeur de l'école de la magistrature. J'ai été ancien commissaire du gouvernement pendant 2 fois. J'ai été directeur de l'unité de lutte contre la corruption. Maintenant, il ne faut pas tourner autour du pot, mais sur les représentants de l'exécutif haïtien. Monsieur l'ambassadeur, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais vous l'avez bien compris que le système judiciaire en Haïti est très faible et c'est la volonté du gouvernement d'affaiblir le système du pouvoir judiciaire, le système judiciaire en Haïti. Parce que c'est clair qu'ils ont leur juge de l'équipe pour ne pas enquêter, pour ne pas voir juger les auteurs suspects protégés politiquement de violations graves et massives de droits humains. Voilà la situation en Haïti. C'est qu'il est clair qu'il y a une impunité objectivement constatable en Haïti et qui relève justement de la dépendance du pouvoir judiciaire, de la soumission du pouvoir judiciaire à l'exécutif, avec des juges au service de l'exécutif. Merci. Et j'aimerais tout simplement apporter une certaine petite précision relativement à la question des commissaires, savoir le suivi qui a été fait après le massacre de la Saline. Donc, les victimes ont exercé un recours, ont produit une demande de mesures conservatoires par devant la commission. Et la commission a fait droit à cette demande et la commission a demandé à l'État haïtien de prendre des dispositions afin de protéger les victimes de la Saline. Cette résolution a été notifiée à l'État haïtien. Malheureusement, l'État haïtien a fait fi de cette résolution. Aucune mesure n'a été prise pour protéger les victimes de la Saline. Au contraire, les agresseurs se sentant renforcés, d'autres massacres ont été perpétrés après, par exemple à Bel Air, à Solino, à la Ruelle Maya. Donc, il y a les gangs liés au pouvoir qui se sentent renforcés et ces gangs-là ont perpétré des massacres dans les localités que je viens de citer. Donc, la situation ne fait que empiré après le massacre de la Saline, il n'y a pas eu de progression malheureusement. Et actuellement, le dossier est pendant la Cour de cassation. Pourquoi? C'est parce que Fidel Monchéri et Pierre et Richard Duplan, deux autorités de ce régime indexées dans ce massacre, ces autorités ont récusé le juge d'instruction. Eh bien, le juge d'instruction a dû sursoir à l'enquête. Et actuellement, le dossier est devant la Cour de cassation qui doit se prononcer sur la demande de récusation produite par les deux agresseurs. Voilà, aucun progrès n'a été fait jusqu'à présent. Le dossier est resté comme ça et les victimes ont fui. Ils ont laissé la zone et malheureusement. Donc, Monsieur le Président, nous nous renfermons et dans notre recommandation, à savoir, nous demandons à la Commission de mettre Haïti sur le chapitre 4.B dans son rapport annuel et afin d'effectuer des visites en Haïti, comme vous l'avez dit. Mais cependant, quand vous êtes en Haïti, et il y a un comportement. Nous avons un gouvernement, un président qui viole les droits humains et en même temps qui pose, fait des photos. Donc, ça, la perception, ce que vous venez de dire et la perception que nous autres, nous avons ici, donc c'est tout autre. Vous devez avoir généralement un comportement et en tant que commission et des droits humains. Et vous n'êtes pas du côté de l'État, vous n'êtes pas du côté de la société civile, mais
vous êtes là et vous avez une certaine neutralité que vous devez observer. Et nous faisons la recommandation de mettre Haïti sur le chapitre 4B, mais cependant, avec des visites, mais cependant, et il faut que ce soit des visites équilibrées ou neutres. Merci. Muchas gracias a ustedes. Paso la palabra hasta por 10 minutos a la representación del Estado. Bon après-midi à tous. Après-midi. Bon, malheureusement, l'ambassadeur est toujours dans sa conférence avec un parlementaire. Donc, il ne peut pas se rendre disponible pour conclure cette séance. Donc, au nom de l'ambassadeur et du gouvernement haïtien, je ne pourrais pas m'étaler nécessairement en leur nom, mais je peux réitérer les points qui ont été faits par l'ambassadeur au départ concernant la volonté du gouvernement d'obtenir justice pour les violations de droits de l'homme qui ont été commises durant les différents massacres. Nous attendons les résultats des enquêtes et des dossiers qui ont été soumis au cabinet d'instruction. Et puis, nous ferons une faveur d'accueillir favorablement le rapport de la CIDH, évidemment, et dans la mesure du possible, de mettre en place et d'implémenter les recommandations qui seront faites. Donc, en l'absence de l'ambassadeur, je m'excuse encore pour cette intervention plutôt courte, mais je ne suis pas en mesure de m'étaler un peu plus sur les réponses qu'il a données au BAI. Donc, merci pour les différentes interventions à la CIDH et au BAI. Et nous accueillons, nous attendons les suites du dossier pour pouvoir donner suite aux différents dossiers en cours. Merci beaucoup. Muchas gracias. Si bien no se encuentra el embajador Bouchid, le pido a usted, señor Bernard Henry, transmitir al embajador los puntos expuestos por los representantes de la sociedad civil. En mi opinión, han sido muy elocuentes y han descrito con toda claridad la situación que prevalece en Haití. Por favor, transmita también a él y a sus autoridades el compromiso de la Comisión de acompañar tanto a víctimas como apoyar al Estado en encontrar justicia a las víctimas de las masacres y para fortalecer la institucionalidad democrática. Creo importante que en Haití haya acciones que muestren compromiso, acciones reveladoras. De otra manera, estas audiencias se quedan en el archivo y no vemos ningún movimiento. No queremos tampoco que nuestros informes repetidos sigan en un archivo sin ver un cambio. Le rogamos que transmita estos comentarios últimos de la audiencia al señor embajador y por el conducto del embajador a las autoridades de Puerto Príncipe. Les agradezco mucho a las organizaciones por su participación y a mis colegas. Seguimos ocupándonos de la cuestión de Haití. Buenas tardes.